À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois que il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Oui, Nguesso. neutraliser Denis Sassou D'une Nguesso manière ou pour d'une que autre. l'élection n'ait pas lieu. L'État ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ben, elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ben, elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ben, elles sont arrivées. Cher peuple du majestueux royaume de Luango, souverain et insoumis. Cher peuple de la grande vallée du Nyari et du Pôle souverain et insoumis, le Collège royal du Luango, ayant à sa tête Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tshikeya Zinga Ier qui vous parle, vous adresse ses salutations. Récemment, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, votre indignation face aux tueries ciblant la jeunesse sud-congolaise basée sur les terres du Luango souverain et insoumis, notamment basé à Pointe-Noire. En effet,
sous le prétexte mensonger, sous le couvert de la fausse étiquette de bébé noir collé de force à nos enfants, les tontons macoutes des bords de la Lima, ayant pour chef Sassou Denny, commettent actuellement des exactions à l'endroit de la jeunesse sud-congolaise. Ces exactions n'ont pour seul but que de tenter de choquer et d'intimider nos jeunes afin qu'ils ne puissent pas se révolter face au terrorisme dont, il faut le dire, Paris est l'auteur, le commettant et le boucher d'Oyo, le sous-préfet français des bords de la Lima, le bras droit, le préposé. Le Collège royal du Luango, souverain et insoumis, a été saisi. Comme d'ailleurs il est saisi chaque fois que vous subissez, nous subissons des privations, des tortures, des viols, des vols, des meurtres, des exactions en tout genre dans nos territoires occupés par l'Hexagone, sous le couvert des nordistes, des mbochis qui n'agissent en réalité que par procuration authentique donnée par le palais de l'Élysée, le véritable père et patron du Congo-Brazzaville. Que pouvons-nous faire pour mettre définitivement un terme à nos difficultés, à nos souffrances? Pour l'instant, nous vous demandons une fois de plus de signer massivement la pétition pour un nouveau départ de notre grand peuple Congo, pour la mise en place effective de notre espace protecteur commun, la Fédération du Sud Congo. Après avoir accompli votre devoir citoyen, croyez-nous que nous accomplirons avec vous la part de travail qu'il nous revient. Mettre la France dirigeante corrompue, raciste et esclavagiste, ainsi que leur serviteur Mboshi, définitivement hors d'état de nuire. Nous stopperons, une fois pour toutes, la violence, le pillage de nos ressources naturelles, les crimes de sang et les crimes économiques dont la tentative actuelle d'aliénation de l'historique baie du Luango, pourtant classé site historique et patrimoine mondial, nous apporte la preuve. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités afin que nous puissions arrêter de façon ferme et définitive ce volcan artificiel de misère et de violence qui crache sans cesse et sans répit sa lave de sang et de larmes dans tout le sud Congo. En signant massivement la pétition, vous reprenez, nous reprenons dans les faits, le pouvoir sur les terres léguées par nos ancêtres, ce pouvoir qui, en droit, juridiquement, a été effectivement repris le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 au travers des actes d'annulation des traités inhumains qui, autrefois, furent imposés à ceux qui, aujourd'hui, nous assistent, tels des satellites mis sur orbite, nos ancêtres, Bukulu Biitu. Bukulu Biitu Bikeyitu. Bakutu, Barnabetu, Bakoko Yabeto, Kenabeto, nos ancêtres sont avec nous. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Vive la Grande Vallée du Nyari et le Pool souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango.
Salut, chers amis. L'arrogance des Mbushi est tellement arrivée à l'extrême, si bien que le ridicule n'est plus un gêne pour ces individus. Et la motivation de vouloir, coûte que coûte, vous faire avaler la pilule d'un fils voleur, Zaïwa, est devenu très clair. Le 4 juin, il a organisé une session de ce qu'il appelait la CEAC. En réalité, ces organisations qui n'ont aucune valeur ajoutée aux individus de la sous-région. Le Mbushi ne s'est pas hésité d'envoyer ce fils voleur que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis pour aller accueillir le président de l'Angola. Curieux, hein, chers amis. Président de l'Angola, on peut simplement dire Lorenzo, le président, son excellence Lorenzo, parce que moi je veux lui donner du respect ici. Son excellence Lorenzo s'est fait humilier, ouais, reçu par un fils dont la réputation est gâchée. C'est incroyable. Une humiliation claire et nette pour l'Angola, un pays, on peut simplement dire, peut-être la deuxième grande puissance militaire, la première grande puissance militaire de la sous-région, on peut le dire comme ça. Comment le président Lorenzo peut-il se faire ridiculiser par Sassou? Lui, l'Angola, qui a installé ce Mbushi au pouvoir. Lui, l'Angola, qui lui a donné les moyens nécessaires pour venir tuer les peuples Congo, au sud du Congo. Lorenzo arrive à Brazzaville. Sassou se permet d'envoyer son fils, le voleur, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, l'homme qui est recherché par les Américains. L'homme qui a siphonné l'argent du pétrole du Kwilu. Un voleur reconnu mondialement. Incroyable. Vous voyez, c'est une honte. Mais en réalité, dans la stratégie de Mbushi, la honte n'est plus de ce monde. Il veut coûte que coûte vouloir montrer au monde entier ou vouloir faire avaler la pilule. Ça sont des sous-christelles d'ennemis. Au Mbushi, au nordiste, et même à la sous-région. C'est inimaginable. Vous voyez que même Félix Tshisekedi, quand Lorenzo vient en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en tant que président d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, se rend à l'aéroport pour l'accueillir. Comment ça fait-il que le Mbushi Sassou est capable d'aller accueillir tout ses amis dictateurs comme Déby Idriss qui venait de se faire assassiner, mais il n'est pas capable d'aller accueillir Lorenzo, donc l'Angola, qui lui a installé Manu Militari sur ce fauteuil, c'est incroyable. Et de surcroît, pourquoi a-t-il choisi un fils voleur dans la réputation? C'est pour dire quoi? C'est un message qu'il est en train de faire passer à Lorenzo en réalité. Oui, chers amis. Curieux, chers amis. Mais ça ne devait pas être le rôle de, entre guillemets, Colonel Anatole Di Makosso. Hein? C'est pas lui qui devait le faire, non? C'est pas ça dans la logique. C'est pas lui, non? Vous comprenez qu'en réalité, il y a une volonté manifeste de qui vous démontre, même ce Colonel-là, ne pèse pas. Donc en réalité, le premier ministre dans votre Congo avec c'est Sassou Nguesso Christelle Denis. Et c'est lui qui l'a envoyé pour aller accueillir Lorenzo. Donc, on peut simplement dire que le Mbushi vient. Vous voyez, hein, les Mbushi ne sont jamais reconnaissants. Il leur manque même la reconnaissance. Le Mbushi Sassou n'a jamais même été reconnaissant avec l'Angolais. Lorenzo, grande puissance militaire, mais il a accueilli un fils voleur. Incroyable, mais vrai. Alors, c'est aujourd'hui à l'Angola de tirer les conséquences.
Les Angolais, le président Lorenzo, doit comprendre que le partenariat, ce n'est pas avec les Mbochi. Les Mbochi, ce ne sont pas les descendants du peuple Congo. Donc il est temps de shifter et de venir et de revenir à la raison. Mais quand si elle crée une sonne, ça m'a pas mis à Angola. Ça m'a dit, on fume, il y avait une Kokuba. Beno, qui zunga, il y avait un boulumboulou, il y a Kokuba. Il n'y a pas que tout va même. Il y avait une Kouloutil à Angola, on avait diam, il y avait une Nuki. Et quand si, un kadiam, en même temps, tout mon couille, mon moche, qu'on a fait ça, moi, n'y a rien, il y a mon yombe. Il y a mon yibi, il y a nene, il y a quoi, il y a un fume, il y a beno, bantu, il y a Angola. Ya kile kia di mingi. Mvumu ya beno bantu ya Angola. Lorenzo. Baka na kufilisa muyibi na kuenda kuyamba yani. Ya kile mutindu. Nkariyampe wame kusala. Nya kudiata insi ya beno. Na kulakisa ti. Oh yandi lutila beno lulendo. Oh yandi lutila beno ngolo. Oh yandi lutila beno. Yandi kufilisa muyibi. Na kuenda kuyamba. Mvumu ya beno bantu ya Angola. Peno kubakula, peno kuyindula. Wapi nzangu, yani vanyi sosa kutubila beno, na kufilisila beno mwane ya yandi ya muyibi kuiza kuyamba mfumu ya beno. Jambu ya nsoni, samuna vampangi ya Angola. Muka nisa kimpangi mfumu ya Angola mutindu Lorenzo, fuyani kubakula, hiki yake sosa kulakisa. Yae nintangu na mfumu ya Angola, na kukuiza kusimba jiboko ya peto bantu ya suda, na kujilika imbi na kusalamaka na suda ya Kongo ina bambulumbulu ya Angola kuza kukota kufwa beto bantu ina katika na mbanza Kongo kune na suda ya Kongo na kutula mumboshi ya sasunge sona kimfumu kilumbu yai mumboshi ina ke kufilisa mwane ya yandi ya muyibi na kwenda kuyamba mfumu ya bwale ya nene mtini Angola. Ya kile jambu ya ngitukulu, jambu ya nsoni. Meyina kina kulakisa ti, yani kina kulakisa ti, yani kulutila mfumu ya Angola na kimfumu. Yani kulutila mfumu ya Angola na lulendo. Mekansi sibe nge na kutala mpe, kisalu ina dani zola kusala yao. Sipeleko bwala ina vanaka, bwala ya Kukuba, bwala ya Mayela, bwala ya Bantu ya Ndwenga, bwala ina kekusitisaka misiku. Ni premier ministre ya yandi zola kukwenda kuyamba vye mfumu ya Angola ina ni mutino na vye salamaka ni mutino ya usalamaka kasi premier ministre ya yandi ina bakutuba Anatole Colinet di Makoso alias Makoso pano kukanga yandi na kati ya mwayinzo ya fieti samuti yandi kwenda kuyamba vye mfumu ya Angola yani kufilisa nani mwana ya yandi Sassou Nguesso Chrystien Denis yai kena kulaisa tiki mpeluko premier ministre ango ya kizunga ya baya Kongo na se ya ntete kele ni mwane ya yani ya muyombe kulene Anatole di Makoso kele kaka mtu ya mpamba bame kutula kuna meyina nyoso na kusosa kuminisa beno bilongo na kuzuba ti oh Sassou Chrystien na kukuma mfumu ya beno ya kele beno wene kena makutu beno kuwa beno tala beno kubakula ni kuna betu kuna kutuba na beto bana ya suda, kiyenge ya bana ya suda, kile kaka nzila ina ke kubasa betu na mpasi, nzile ya mpulusu, nzile ya lusalusu, nzile ya mkwendolo, nzile ya nungunu, nzile ya ntungunu, nzile ya kiesi, nzile ya kiyenge, nzile ya kintuadi. Kaka ni ina kile nzile ya lusalusu. Ina kena makutu kukua, ina kena meso kutala, ina kena kunwa kuzonza. Nsoni bame kufuisisa Lorenzo Nsoni kuna na mbanza ya Brazzaville bame kufilisila Lorenzo muyibi ya nene ina baka tuba Sassou Nguesso Chrystien Denis na kwenda kuyamba yandi kujambu ya Nsoni kanisa ti mfumu ya Angola baina zaba yao zaba yandi babaka kizizi yaba kuzenga baka kufilisa samba kubakula atondo na nguri ya mbote tatanzambi kusadisa beto Bangkoko kusadisa
beto bante ya suda beto kutatamana kutula kinyemwa na petition sambe to kuenda na ntwala beto tatamino na kukuma kokoko kongita di kokoko kongita di koko ko ko kongita di ba mekubaka kifuanini ya nzao beto kele pabilemba nzao abuo tia que le masque vili tombe pour qu'apparaisse le mbochi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour assurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis, de la grande vallée du Nyari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de semer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Colliné dit Makoso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général, et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé Pomboshi Masque Vili. En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils originaire en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donne l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverain et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté, surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Colliné dit Makoso et sa cohorte de bandits, qui se sont octroyés la qualité de sages, comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un état mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vinis tombent pour qu'apparaisse la peau mochi de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens
le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait deux mandats. Pourquoi lui, il veut prendre trois? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait deux mandats. Pourquoi lui, il veut prendre trois? On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi, et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là, on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc, vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition.
Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom. Hein, le prénom. Donc first name, ou en first name, c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name, c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville. Hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas. Là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sous la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case hein, pour le désactiver. Hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui aurons la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme. Hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un tango ben ke kuzwa pétition yai to ndi la inake ko pesa ben oluve na kukota na pétition. Ina tango ben ke ko bieta na ina na lien na bake filisa beno ben ke puisa ni na kitalatala ya motindu yai ben ke kutala. Hein? Bengi kutala baga kusonika, mutu baga kusonika na Lumputu, l'unité du Sud Congo, donc yenge ya bana ya Sud, et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a même tout bas, il y a ikele nzila ya mona, na kukwena na ntwala, na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Sud ya Congo. Bengi kutala kizizi ya mama ya ikele, ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi, na ba bantu ya bao, ba mfumu ya bao, ba bantu ya Pompidou ke na kufa beto na Sud ya Congo, bino na kutala yao, ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka, kitini ya zole mpe ikele. Tango benge kusala, baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu, nina kutanga na Lumputu, na isi awa, na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa, samuti, beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo. Mutini benge kutala, na isi yawa benge na kutala ti ya ikele Suda ya Kongo nyonso pele kukele kintuadi ha? Kele ya vani peto na bantu ya Lupulu ya Lunyari ya Lukumu pe ya ya la Bwenza ya vana bampangi ya Kwilu beto nyonso kele kintuadi yawa ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala tango benge kutanga si beno kuzaba beno kubakula hiki beno bantuwe nyame kuexplike yao mpe kutuba yao yiki betu me kutuba awa na Lumputu beno kutubila ya na ba mama na ba tata ina ke kulongoka tango benge kubaka yao benge kumanisa benge kupuiza na diboko ya bakala mtu naishi ya wakoteba mesu nika mukanda ya yari kele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao betu me kumaikwa na ntangu yae kena kutula kinyemo ya betu naishi ya wakende na nkumbu ya nge ha? Ya ike nkumbu ya nge ya mbutu ina nge kubutu kaka na yao tu ya vanda na kikongo muzaba yake nkumbu ya Nzambi eto nkumbu ya Mundele yake ni mutindu ina ikutula nkumbu ya nge mwenye na kutula mutindu mutindu beti na kutuba mge kutula nkumbu mutindu yai nchwalo nyoso mge kutula yai kaka kana kufuanya kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti nambala ya kaka mge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom benge tula nkumbu nkumbu yange ya Nzambi nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele et benge mekutula hii adresse email yange adresse email ni ina kele ya mbudi yawa ya imba ba mama ina kele vina yaba ntuenye babana ke kusalisa bano kusalisa yaba ba ina kele vana vina luve bake kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala yao na nkumbu ya bao ya ikile vrema nguri kama unaveji kifo ina petisi
une procuration, ben, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue des individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Hein? Moi, je suis au Canada. Donc, je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. 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 Maintenant, si nous avons écouté la Nkumbu, vous désactivez ici, là on ne verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur signer, ça me demande le zip code. Je n'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que, voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà. Congo, je mets Kai, par exemple Kai. Mugebaka Kifuani ya Congo, metula Kai. Voilà, metula Boala Congo Brazzaville et puis metula Kai. Awa singezo lave ba bantu kutala Nkumbu yange na ba bi mangeke sonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici là, les gens verront. Si ba si nous mettons la tête na wonga ve ngeke yange ya kokuba ngeza ba bi mabit kana busala yake diamu ya makedika ni wakutula wa sa Nkumbu yange kutala na diamu tunge kusunika yange kutala na ngi kusange manisa ngi kuiza ngi kunyema hawa na kote ya mbwa ki hawa kote ya mbwa ki hawa nipa meza ngi kutula kinyemo yange anto vous cliquez là aussi c'est en rouge ici là on le dit sign this petition donc signer cette pétition vous cliquez là dessus. Voilà, ça tourne. Voilà, quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là. Ça vous donne déjà tout ça en vert. Ça vous donne tout ça en vert. Et vous descendez. Ici, ça vous donne deux options. Ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de 7 dollars pour cette pétition, ces dollars à cette pétition, ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de 7 dollars, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là, on écrit « No, I will not instead », c'est-à-dire que « I will share instead », c'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Moutine va mettre tout bas. Il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de 7 dollars. Et l'autre option, c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même coupé, bandi la zone, n'est que sola, mosikaka. Mosikaka n'est que sola. Si nous avons coupé ça, moi, dit kabou. N'est que niema, oui, awa, que tu vas mettre tout, ya kima, ya mboaki. Si nous avons coupé ça, dit kabou, n'est que niema, na ici. Donc, batata, n'a maman, ben, n'est que bakole, il y a deux options. La première option, c'est « Veux-tu faire une petite contribution ?» Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas, qu'on écrit « Non ». Mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon, là donc pour le tutoring,
Je clique ici. Donc, ça, mon aïe, n'a mon akoulak, ça, mon akifouane, et bien, mon akounia, mon aïe, si mon akousola, awa, n'a yin, mon akoupesa, mon akoubaboué, sozole, wapi, n'a mon akousola, mon akousola, y'a ici, mon akousola, veille à Zulu, il n'a qu'à la colombe, et mon akoupesa, mon du kabou, y'a 7 dollars, mon akousola, y'a ici, ti, mon akoupesa, veille du kabou, y'a mbongo, quand si mon akoukabou, la pétition, y'a bampang, y'a kaka, mon akoufilisa, y'a bampang, y'a kaka, samba koutou, la kinye, mon yabao, mon akounia, ma awa, et qu'on a tamoun awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imeko funguka ni awa mwke kusola nge kusosa kufilisa yao na nani na wapi fason nge kusosa kufilisa yao nge kusosa kufilisa yao na nzile ya Facebook unge kusosa kukopie lien yai ya petition ya samge kukabula ya na mtu akaka unge kusosa kuyirika kuluta na nzile ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangili na kufilisa ungele na kufilisa yao na email yange, ungele na kufilisa yao na messenger ya Facebook. Ha? Donc ya ipeke ba option mwa mpesa nge wapi mutini, ungele kuzo la kufilisa yao. Donc comme je le dis, vous avez ici une variété des options où vous pouvez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout? Ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape... la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signé. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de 7 dollars, ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de 7 dollars, mais on peut toutefois partager. Hein? Benga na kutala au wana zulu mutini benga na tuba wa mkutu lati o oh, yae kile ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge au wana benga kutala kima ya green ya wa ya ver couleur ya maza ya saka saka mkutula na mwa kima na kati au wana zulu kena kula seti ngeme kumanisa deja kitini ya ntete ini vanda kutengeme tula nkumbu yenge ya buwala nkumbu yenge ya kinzambi na nkumbu yange ya na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuza nimeona na etapi ya zole na fenete ya zole ni ya ibetokele ya mekuma na zole ni ya wabame kutuba na nge tiki ngeme kusala mwadi kabu ya 7 dolar wonge ke salave ya bweso zole wa mpesa huu bweso ya ntete to bweso ya zole me bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabu singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabu singi kwenye mbongo mwenye kuzana ya zoli awa kutumia mtu bativi mwenye kukabula kaka ya mwenye kunyema awa kabula mwenye kunyema awa tango ya kumangeme kutala diaka na zulu awa mutinu tumituma na zulu awa supone metalati kote ya zoli ya mekusala kima diaka maza ya sakasaka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti o mwenye kuluta examen ina deja ba examen kena ba kote tatu me ya kele ni kote ya ina ba mutuba fenêtre ya tatu oto mwelo ya tatu ina mutuba nge ngiko kabula ya na wapi mutindwe ndio kabula ya oto na nzile yange ya Facebook to ngiko kukopie kaka lien ya hii to na nzile ya Twitter na nzile ya email to na nzile ya Messenger Facebook ina ngiko kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape comme vous le voyez là on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée, et là nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien, profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook,
on va voir Messenger, Facebook va sortir. Donc, vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Hein? Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachley Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc, vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc, vous choisissez. Et quand vous allez, vous finissez, hein, je vais simplement vous finissez, en bas ici, hein, vous cliquez send. Je préférerais ici donc choisir le lien. Hein, donc, on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc, je choisis par exemple copier. Hein, je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continuer ici là en bas. Hein, quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc, on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Hein. Donc, si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Continuer. La kisati, benume kusa, manisa, kitini ya tatu, non azuru kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis, allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Donc, quand vous benume kusa, ya, benume kukwene, ya, kana boîte email, ya, benume kukwene kukota, benume kutala, ti, benume kuyamba bien, moi message que vous puissiez là moi diambu email que vous puissiez là venir nous tout l'année oh nous tout la kinyo moyenge na pétition yaye. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmer votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire « partager la pétition. Donc, vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama, ntangu benoke manisa na kukwenda. Na mutinu betu mwen kulagisa beno na banzila ya kusinye petition, ifo beno kufutuka diaka na kati ya email ya beno. Tango mwenke manisa nyoso, fo kufutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntango beno kufutuka na kati ya boîte email ya beno, beno ke kuyamba, ntango ke kukuizila beno. Ke kutubila na beno ti, oh, kingandi, kinye moyange, abunu betoku tala yao kinyemo ya beno kinyemo yange abunu betoku konte yao abunu betoku tula yao na kati ya petition samoti kinyemo yange kukota
kusala ndandu na petition ifunge kukwenda na isi ya nsangu ngeke yamba ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula ya wawa bame kutuba nange na ku na kutuba ti wii email ya ikeli ya munu donc ifunge kunyema na message ya isi ya ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa awa na mbwaki ya ya awa sime kunyema na ya mbwaki ya awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange voilà bado tu bona beno kingandi mbutule kingandi kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya bwa yange samu tibao baku yamba nsangu yange funge kuiza na isi yao ngikutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samu tibe toku tula message yange petition yange bito kundima yao ya ikile ti ngeme konfirme me buwati email yange nita ungeke kunyema awa nita ungeke kunyema na kati ya kima ya mbwaki yae ngeke tala mwelo mwesike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu singeke na mbongo yi nange tiso carte credit ya mundele baka kukulea o visa carte bleu mastercard ngele na kupesa dikabu singeke vena mbongo ngeke kunyema na kima ya isi inake kubaisika ntango ngeke manisa kunyema na awa na kima ya mbwaki yae inake kubaisika kutuba nange bon ngezo la kukabula yao ngeke nyema na kutea kukabula kutea kukabula baka kutuba nange ngezo la kukabula yao na wapi mutindu na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na Messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao nge to na kutula yaka kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sola kutula ntangu kaka dija ngeke kunyema na kima ya mbwaki yae mutuinu mke na kulakisa yao tange kunyema wa ya mila kisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition namba tata mama ya ikile jambu ya ngudi singeme kuenda vedi yaka na email yange na kuenda kunyema na message na ngeki uyamba na kunyema yati confirme watu bwati email sadike tubati yae ni nyinge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala ya yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative donc beno kubakule ya mbote. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Hein, ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, ici là. Là où on a écrit « Confirmez votre email ».« Confirmez votre email ». Si vous ne cliquez pas ici « Confirmez votre email », vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez « Confirmez votre email ». Une fois que vous cliquez « Confirmez votre email », il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait « Voulez-vous faire une contribution ?» Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en l'envoyant dans votre profil Facebook, ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà, donc, email, ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez « Confirmer votre email adresse », déjà là, vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote.
Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au